Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis accueil NBA 75 All-Star. Alors, le premier défi va vous demander de mettre des paniers dans l'accueil NBA 75 All-Star. Il va falloir mettre 9 paniers pour réussir la première étape du défi. La deuxième étape, c'est de mettre 18 paniers et ensuite de mettre 27 paniers. Au total, il y a 30 paniers sur la map NBA 75 All-Star. Donc je sais que pour l'instant les défis sont buggés, mais j'ai une solution pour contrer ce bug. Donc pour contrer ce bug et pour réaliser ces défis, normalement vous allez pouvoir le faire en mode créatif peut-être demain ou dans quelques heures, mais si c'est buggé pour vous, moi ce que je vous conseille de faire pour que ça fonctionne et que le défi se valide et que vous puissiez obtenir les récompenses, c'est d'appuyer sur carré, ensuite d'aller dans code de l'île et de mettre le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 21650240 et là vous mettez 3 si vous êtes sur console. Si vous êtes sur PC, vous mettez V3. Si vous êtes sur en mode créatif, vous mettez point d'interrogation V égale 3. De toute façon, le code sera en description en commentaire épinglé. Donc là, je lance la map. C'est parti, let's go. Je fais jouer. J'appuie sur triangle pour jouer la partie. Bien entendu, en attendant que ça se charge, que l'île se charge, vous pouvez mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite en appuyant sur carré et en mettant le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Donc bien entendu, ce n'est pas obligatoire. Mais merci à tous ceux qui le font. Alors vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et commenter la vidéo pour aider au référencement de YouTube. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne à fond. Alors regardez ici, il vous est arrivé dans l'île de Fortnite mais de NBA. Voilà, vous arrivez dans l'île de NBA, dans l'accueil. Donc ce que vous allez faire ici, c'est entrer dans la zone en appuyant sur carré. Très important, appuyez sur ça parce que sinon vous allez apparaître à l'extérieur de la zone. Ok ? Vous allez apparaître à l'extérieur et vous ne pourrez pas re-rentrer dans la zone. Donc interagissez avec ça, avec la petite boule là. Et restez bien dans les murs orange là. Vous voyez, il y a une sorte de mur invisible orange. Et là, vous allez attendre 80 secondes ici. Alors bien entendu, le jeu vous propose de soutenir un créateur. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais vous pouvez me soutenir en notant le code SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le font. Franchement, vous êtes les boss. Après, il faut savoir aussi que le code se réinitialise toutes les deux semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre. Ça me soutient à mort et ça me motive à fond à continuer. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Alors là, maintenant, je vais vous présenter les 30 emplacements de tous les paniers quand la partie se lancera. Je vous montrerai les 30 emplacements de paniers. Je vais tous les faire dans la vidéo. Mais voilà, je vais tout simplement me muter et je vais vous laisser avec une petite musique pour vous montrer les 30 paniers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous souhaite à tous un bon visionnage. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace!
Yummy, bruh.